C'est Jean-Mi de tout à l'heure qui m'a ajouté. Je sais plus moi. Tu veux rejouer? Ah bah moi je fais que jouer hein. Je fais que jouer, par contre on fait tourner un petit peu les gens. Donc là j'ai pris les deux premiers qui sont arrivés. Oui mince, mais les gens qui ont des pseudos différents entre le jeu et... Et Twitch j'ai du mal. C'est quoi mon pseudo? Point d'exclamation idée dans le chat et Koboti va te répondre. Koboti c'est lui. Pas le chien, après plus loin là, à droite là. Ah là là. Aïe, j'ai tapé dans mon micro avec mon oreille. Top lane. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va peut-être pas retenter le Kennen, je sais pas. Bon bah, GG. Merci beaucoup, Spadzen, pour le troisième mois d'abonnement en discount à seulement 3 euros. Seulement 3 euros, le September. Gwen. Je sais pas si je suis chaud sur Gwen. Bon, en fait, je connais pas les match-up au top, donc... Vous commencerez à vous amuser à me conseiller des persos quand on saura qui est en face. Bonsoir Darkness. J'aurais dû attendre, j'aurais lancé en même temps, voir si j'étais contre vous. Je préfère éviter ce genre de choses. Si tu peux, même quand tu regardes le stream, éviter de lancer une game en même temps, je préfère. On a déjà eu trop de drames avec ce genre de pratique. Ça crée des tensions qui sont pas toujours utiles. Disons ça comme ça. Testerai bien Fiora avec, avec le changement. Il y a d'autres choses à tester. Je ne sais pas. Le support, s'il joue Sona, je le vois souvent sur Facebook. Facebook? T'as 47 ans, Flair Malère? Le support qui s'appelle Champagna Bof. Pff, je ne connais pas cette personne. C'est toi, oui, c'est toi, Jion. Voilà, c'est ça. C'est du moment où t'as pas le même pseudo en jeu et sur Twitch, ça me fait bugger. Ah merde, je suis contre vous. Ah bah voilà, ça va créer des tensions inutiles une fois de plus. Très belle émote, Splatzen. Je sais pas où tu l'as eu, mais... Ça doit être une chaîne Twitch de qualité. Oh, je sais quoi jouer. Ah bah non, il est ban, tant pis. Un groupe Welldrift, et non 23, mais je suis pas réseau du tout. Et pas réseau du tout, mais tu suis des groupes sur Facebook. Timo, bah non, hein. Bah non, hein. No snipe pourtant, je coupe le temps de la partie. Super, que le meilleur gagne. Et, le meilleur... Et donc le support, c'est bien Sona, et oui. Tu le connais, tu le connais. Il est connu sur Facebook. Boum! Tu t'y attendais à ça? Tu t'y attendais à la Riven héros de l'aube? Personne s'y attendait, personne t'entend. Et pourtant... Et pourtant, comme la montagne est belle, comment t'imaginer sous ce flot d'hirondelles que le printemps vient d'arriver? Je l'ai plus. C'est pour éviter les snipes. C'est pour éviter les snipes et puis c'est pour éviter que les gens de la commu s'engueulent entre eux parce que l'un a battu l'autre et blablabli blablabla quoi. Leur compo win, c'est obligé. J'aurais voulu jouer Vlad pour avoir la poule pour pas me faire monter en l'air et subir les combos Yasuo, mais bon. Ça fait un bail que je suis... Non mais t'inquiète pas, j'en profite pour troller gentiment, faire ma l'air, mais tout va bien. Diana, Yasuo, Ali, Wukong, ouais. Là, ils ont un plan de jeu, hein. Ils ont clairement un plan de jeu, et leur plan de jeu... Oula, pardon. Leur plan de jeu s'appelle Yasuo. On va éviter de se faire trop exploser. Ah, c'est Wukong. Je pensais que ce serait Wukong, le jungle. La Sona peut carry. Bah, c'est tellement un perso oublié, Sona, que hier et aujourd'hui, quand on a évoqué les persos d'OTP, les persos sous-joués, les persos auxquels on pense pas, on n'a pas du tout parlé de Sona. Et je pense en vrai qu'une bonne Sona, ça peut faire la diff. Après, il faut que l'ADC soit conscient d'avec quoi il joue et qu'il essaie pas trop de faire des bêtises au début, quoi. Sona, il faut un peu de temps pour que ça se mette en place. En Aram, Sona, c'est trop bien. Ouais, mais l'Aram, c'est quand même un autre jeu. Au foot en salle, jouer que des attaquants, c'est bien. J'exagère. Comme Sona maîtrise 7, c'est OP. Il y a moyen, hein. Au minimum, il sait ce qu'il fait. Tu sais qu'il y a eu une époque où Sona c'était le meilleur perso du jeu et personne ne le savait. Et quand Riot a dit qu'ils allaient la nerf,
Ils ont annoncé deux jours avant dans les notes de page qu'ils allaient la nerf et les gens se sont mis à la jouer et étaient en mode putain c'est trop fort en fait. Et boum nerf. Du coup mon matchup c'est Wukong, j'arrête de foncer dans un buisson et de mourir. On va rebondir dans tous les sens. En plus il est connu sur Facebook. Si il est connu sur Facebook. Qui on est nous? Nous qui sommes connus nulle part. On est connu sur Twitch, un réseau social que personne ne connaît. Tu veux pas ton sbire, Wukong? Oui, tu veux des auto-attaques aussi? Voilà. N'hésite pas à revenir prendre un sbire. N'hésite pas. Oh, il m'a touché. Il m'a touché avec la zone du bâton. Il a sa réputation, les bruits de couloir et tout. Hein. Le mec est connu sur Facebook. Ce qui n'est pas mon cas. J'ai pris plus de dégâts que j'aurais voulu. Finalement, la laine n'est pas aussi à mon avantage que je l'aurais espéré. Non, puis finalement, il va prendre tout son farm. Bah, vas-y, retour à la case départ. Anti-heal direct contre lui. Vas-y, je suis ton call. Je suis ton call. Il y a quelques années, en pro lol, il y avait une Sonatop de qualité de ouf. Ah ouais? C'est le faux. J'ai ignite le faux. Let's go. J'étais en mode, je suis pas sûr que ce soit le faux. Peut-être qu'il essaie de se moquer de moi. Il s'était pas moqué de moi. On va le flasher. Jure. Bonsoir l'intrus. J'aimerais vous dire quelque chose. J'ai rien à... Il était trop gourmand, ouais. J'aimerais vraiment avoir une explication, j'aimerais me justifier. Ce serait malhonnête. Je pense que me justifier serait malhonnête dans cette situation. Un mot sur cette action. Prout. C'est pas le plus intelligent des mots que j'ai trouvé, mais... Voilà. Salut Gabriel. Ça dégoûte. ça dégoûte. Je l'avais dans le viseur. Il bougeait pas. Mon arme était chargée. Et là, le tir est parti à côté, j'ai tiré sur mon chien, quoi. Et les mauvaises nouvelles de la chasse. Et là, il meurt pas parce que j'ai pas d'ignite et qu'il me manque une auto-attaque. la sonate Facebook va te carry, t'inquiète. Sinon, tu vas finir affiché sur le groupe en mode « Qui est ce connard qui a niqué ma game ?» Ah, ils font ça? C'est toxique, Facebook? C'est toxique, Facebook, ouais. Je live jusqu'à quelle heure? Je sais pas trop. Jusqu'à ce que j'en ai marre. Pour l'instant, j'en ai pas marre. Mais ça peut arriver à tout moment. Qui regarde encore Facebook? Flair Malher. Flair Malher et lui. Champagne à bof. Ils ont un super groupe où ils sont deux. Ils sont super heureux. Ils font ça? C'est pas bien, hein. Franchement, c'est pas bien. Le name and shame. Even, ça vaut quoi? Je sais pas trop encore. Hein. Je pense que c'est pas mal, mais... pas trop faire l'imbécile comme moi, quoi. En plus, il sait jouer Wukong. Hein. Il gère la wave. Il push pas. Il joue sur son avantage. On n'est clairement pas sur un joueur idiot. On est sur quelqu'un qui comprend les mécaniques de la top lane. Plus que moi, en tout cas. Hein. Ça c'est quasiment sûr. On me ping de back. Je back. Toujours faire confiance à son équipe. Voilà, il y avait Monsieur Wazagi. Il y a Riven aussi. Oh là! C'est allé vite, hein! J'en ai eu un, mais c'est tout. C'est allé super vite. Subi l'ulti d'Yasuo. Trop dommage. Trop dommage. Bon, j'ai pris le kill quand même sur Wukong, je crois. Non, pas sur Wukong. En vrai, je suis équivalent en gold à Wukong pour l'instant. C'est ok. Tu vas l'avoir, Bedro? Ah non! Oh oui! Oh, dommage. Ok, pas grand chose, je pense, là. D'ailleurs, avec Riven, j'aime bien faire une petite proto-belt, là. On verra après le coup près noir. C'est vrai qu'on est parti anti-heal first. Ce serait bien quand même d'avoir des dégâts à un moment. Lui, il a quoi? Il est en train de partir sur un pourfendeur, mais il l'a pas encore. Tu ne pourfendras point. Je pense que je vais pas chez Rome.
Le Voli va carry en late avec Sona, c'est le but hein. Je suis pas là pour carry, moi je suis là pour être spectateur de la game et espérer qu'on y passe malgré tout un bon moment. Il fait mal hein. Oh, j'ai pas le droit de jouer. Vas-y, on va faire le héros. Je vais manger un petit peu de salade là. C'est toujours du bien. Hop. Peut-être il y a de la vitamine C dedans. Nous laisse tranquille toi. Voilà. On prend notre héros. Oh, j'ai loupé ça. Je mettrai pas assez de dégâts. Après, j'ai peut-être mis assez pour que mon jungler puisse le dive. Oh, en plus, on a le héros. Oh, jure, y a rien qui touche. J'ai la portée pour rien. Oh. Est-ce que je suis trop nul ou est-ce que j'enchaîne les manques de bol? Je pense qu'il y a un mélange des deux. Un mélange très subtil, certes. Mais tout de même. J'avoue, il y a 4-5, je suis en 1-3. Je suis pas le... Après, je duo avec un master, donc on joue au-dessus de mon niveau là. On joue avec des joueurs exceptionnels. C'est quoi les bots que je dois faire? Qu'est-ce qu'il fait le monsieur dans le build? Il fait les bots de cooldown. Bah écoute, on va faire les bots de cooldown. Je vais rajouter une protobelle dessus, c'est ma petite touche perso. J'aime bien ça, j'aime bien ça. Babac évidemment. Juste aller prendre la wave et puis après on va essayer d'aller mid. Embêter un petit peu le copain Yasuo. On va faire ça. On va faire ça. Ou alors je pique un camp de jungle. Une strat de fou ça. Oh, y a R. Yasuo, Alistar qui est dans le coin. Ils ont envie de mettre un combo. Je suis vu. Je suis vu, mais visiblement ça ne l'intéresse pas. Non. Bah écoute. Si c'est donné, on prend. Faut jamais refuser un repas offert. Con. En vrai, sans mon ulti, je le duelle pas, mais je vais le tenir mieux que tout à l'heure maintenant que j'ai le couperet noir en vrai. C'est une certitude. Hop. Ça va pour l'instant. C'est que si je gagne deux games d'affilée en faisant carry par Bedro, ça va jaser après. Je suis vu. Je ne t'intéresse pas, Alistar. N'oublie pas que je ne t'intéresse pas. Voilà, c'est... Il a bien pris note. Cette ward là. Non. Je suis le roi des cons ou c'est comment? Comment on fait? Comment on fait le vendredi soir pour être plus en forme que les autres personnes de la game? Comment ces gens-là sont pas fatigués, sont en pleine forme? J'ai été naïf. Ah oui, j'ai été très con. Ouais, c'est fou, hein. Donner des kills cadeaux comme ça, ça se fait plus. J'ai eu la fève dans un gâteau récemment. Je pense que je crois voir l'expression que tu essaies de dire, mais... Je sais pas si je dois bien le prendre. Sache que j'ai jamais la fève, moi. Je vais taper sur Zeri. Haha. En fait, je suis meilleur en ADC. Du coup, avec Riven, j'arrive à faire des trucs qu'avec mon ulti parce que c'est le seul sort à distance du jeu. Oh, cette ward. C'est bon, je l'ai eu. Je l'ai eu, cette ward. C'est bon. C'est le début de quelque chose de grand, là. Par contre, vous avez fait un petit peu les... Hein ? Je vais pas vous juger, l'équipe, mais vous êtes allé un peu loin, un peu fort, là. Double ennemi, triple... Attends, il est à combien, Yasuo ? 2-5. Ah, ça va ! On rappelle que leur stratégie repose quasiment exclusivement sur Yasuo, donc... Si Yasuo se met pas trop bien dans la game, c'est bon pour nous. Franchement, on peut lui mettre un gigabait... Il dodge la tornade. Oh, il met plus de dégâts que moi. Sisona. Il n'existe aucun monde. Oh non. Oh. Alors que peut-être.
Non. Oui. Ça demande trop de concentration de jouer Riven. Je peux pas jouer Riven en stream en fait, j'arrive pas à lire le chat. J'ai eu quel skin dans le pass? J'ai eu Jean Cowboy. J'avoue, c'est sacrifié pour moi, Sona. Il va y avoir un post Facebook. Hein. Il va y avoir un post Facebook sur moi. Hein. On a besoin du prochain Drake. J'en serai alors. Ah, trop bien, je vais être célèbre sur Facebook. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Kali, n'y va pas. Ce serait toi, je n'irai pas. Proto. Proto du plaisir. Hop. On adore le plaisir, plus une brillance. Là, on est bien. Hein. Je te dirais s'il y en a un. Soit trop marrant. Tu mettras en commentaire tous les soirs sur Twitch, quasiment tous les soirs, juste après l'heure du café. Ça va être la nouvelle devise de la chaîne. C'est fini tous les soirs à partir de 22h. Maintenant, c'est le soir à l'heure du café. On peut discuter, Alistar. Hein. T'as envie de claquer un ulti. Joli. Ah, j'ai touché mon ulti, je crois que je l'ai touché. Oh, joli, joli flash. Trop de monde, trop de monde, trop de monde. J'ai eu le temps de mettre un cul de chien. Je ferai de la pub avec plaisir, j'irai vérifier ça demain. Incroyable, on passera un grand moment, c'est cool. Bon après, je suis pas en train de très bien jouer, mais je suis clairement pas en train de hard feed ou quoi que ce soit, donc... Je pense pas que ça justifie une quelconque réaction. Ah, il est plutôt en train de se dire je fais ma game avec Voli et on passe un moment incroyable. Je pense qu'il s'occupe pas de moi du tout, l'ami Champagne Beu. Champagne à bout, Champagne à bof. Champagne à boss. Et on a dit qu'il nous fallait le prochain dragon. Ah, on l'a pas eu. On l'a pas eu, c'est un problème. C'est le genre de gars, s'il pouvait, il se marierait avec Sona. Ah ouais. Je pense qu'il a un waifu pillow là. Comment ça s'appelle? Un body pillow là. Des espèces d'oreillers avec les meufs en manga dessinées dessus. Hein. Oh, Wukong, non. Hein. Oh non. J'ai voulu dash à droite, lancer mon ulti à gauche, j'ai lancé mon ulti à droite, je suis le roi des nuls. Je peux pas jouer Sona ce soir. Ce soir, il faut que je joue Annie. Ce soir, il faut que je joue Annie et à la rigueur, je pourrais jouer Sona, je pense. Il y a trop peu de sorts que je pourrais louper. Bon après j'ai créé un mouvement. Est-ce que j'ai créé un mouvement qui est bénéfique à mon équipe? Je sais pas. Pas sûr. Oh j'avais un move à faire incroyable. C'est dur Riven hein. On va jouer Jayce après, comme ça on fera un comparatif. Vous avez dit que Jayce était dur. Il la joue mal sa Sona. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui est pour toi bien jouer Sona et pas bien jouer Sona? Ouais, du mal à dire en vrai. Après, il est top 50, donc... Il y a probablement 50 Sona qui jouent mieux que lui. À peu près. Il joue pas aussi mal que Riven, non? Fait peur, hein, cet Alistar. Hein. Avec ce petit Yasuo à côté, prêt à bondir à tout moment. Pas hyper rassurant. Ok, Riven, c'est que j'ai trop envie de faire des moves. Ah là, j'ai pas envie de faire un move quand je vois ça. Oh, mais j'ai pris quoi? C'est Diana qui m'a mis un midlife cadeau comme ça? Je crois bien. Il utilise son heal, ok, mais il utilise pas ses ralentissements de dégâts. Ah, tu veux dire, il utilise pas le passif vert? Ah ah! Oh, on aura le troisième Drake. La force, c'est la diversité. Oh, c'est beau. Tu devrais mettre ça sur un poster. Sur un poster avec un chaton dessus, là. Je le mettrai en fond de ma pièce pour qu'on le voit sur le stream. Ma force, c'est la diversité. C'est le violet. Violet, c'est ralentissement. C'est pas réduction de dégâts. En même temps, t'as écrit ralentissement de dégâts. Ce qui mélange deux concepts.
Violet ralenti, le vert c'est une sorte d'exhaust, et le bleu c'est un bonus de dégâts. Alors, qu'est-ce que je fais? Doucement, doucement, doucement. Doucement les bêtises. Oh Yasuo, il sort de nulle part. Le vert c'est pas que le heal, hein. Le vert c'est potentiellement le meilleur passif de Sona. Tu auto-attaques quelqu'un avec l'auto-attaque avancée vert et ça réduit ses dégâts de 40%, un truc comme ça. À lire tous les matins, c'est inspirant. Il faut mettre ça en sonnerie de... en réveil matin. Plutôt que d'avoir un... que tu es un... tu es le plus beau, tu es le plus fort, tu es incroyable. Réveille-toi maintenant pour à nouveau accomplir de grandes choses aujourd'hui. Vous pouvez sampler ce petit bout de stream, l'enregistrer, le mettre en réveil. Ouais, vous le faire en autotune, mais j'ai envie d'être gentil avec vous ce soir. Je veux pas vous infliger ça. Ça fight trop. Bah ouais, ouais, on joue à League of Legends Wild Rift en diamant, donc ça fight. Hein. Vert, c'est un mini exhaust avec une vraie portée. Oui, c'est vrai. C'est... Est-ce que le nerf de la portée d'exhaust, c'est pas un up indirect de Sona? En même temps, avec leur compo qui a 14 000 engage, c'est dur de pas fight. Hein. Le done pour tes mates, c'est beau. Ouais, c'est pas trop l'impression que j'ai. Hein. J'ai l'impression que je me donne juste gratuitement. Hein. Salut Vinsou. Le truc, c'est qu'en fait, il faut pas que nous on engage, il faut qu'on counter engage, donc on est forcément obligé de se faire engage d'abord. Et qui de nous résiste à un engage? À la rigueur, Volibear. Pas trop comment on s'organise, hein. Surtout que là, à tout moment, on se prend un bump. Yasuo par dessus. Waouh, les dégâts de Zeri. J'ai de quoi acheter. Bon, après, là, de toute façon, on est en train de tempo le Nash. Donc, chaque chose en son temps. Ok, on se tape. Joli ulti de Sona. Joli, joli. Il y a un petit début de pas mal. Il y a un petit début de pas mal, hein. Il se passe quelque chose, là. On a perdu une tour top, mais en vrai, juste perdre une seule tour sur un H, c'est très correct. Bonsoir, raclette. Ping ping pong. Bah, mais il y a 28 secondes pour le dragon. Pas le temps de voir venir. Ils ont même le temps de revenir à la vie, les copains en face, là. Je vais aller bot. Après avoir fait tout le tour du Nexus. Liste de décision trop lente, hésitation. Échec scolaire. Impuissance. Dire que tout ça peut être résolu. Avec un abonnement en promotion sur la Cocotte TV pendant tout le mois de septembre. Quelle chance. Quelle chance vous avez d'avoir cette opportunité. Faut mettre du hardcore quand tu joues Riven pour être dans le gameplay à fond. C'est quoi du hardcore? Et viens la Zeri. Ok, viens pas. Je suis vraiment le roi des nuls, hein. Bon, avec mes bêtises, au moins, ça a permis à mon équipe de finir le dragon tranquillement. La musique, non mais je sais que c'est la musique, mais pour moi, c'est trop... Comment dire? C'est trop imprécis. Ça peut désigner de la techno comme ça peut désigner du métal ou certaines catégories de rap. Il existe le rap hardcore, tu vois. Si tu dis juste hardcore, je sais pas. Je sais pas trop de quoi tu veux parler. La techno, techno en mode hardcore. Ah oui, d'accord. Du boum 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 boum. Et on gagne. Vous y croyez? Ça c'est le taf de Riven. Hein. Ça c'est le taf de Riven, c'est dégueulasse. Comment ça c'est dégueulasse? J'ai trop bien joué, je gagne, c'est tout. OTP Riven, du jamais vu. Le voile de mana fonctionne avec Yumi. C'est quoi le voile de mana? Je sais plus. Du funk? Du hardcore funk? Waouh, GG. Oui, oui.